fanmeravana ndray tonga soa tamin'ny fandarana basket academy fandarana moa iresahana momba ny basket eto Madagasikara betsaka ny vavao entina ho anao ka to dia arao ara ny somnefa Ni lalao mafana teo amin'ny famaranana ny championnat de Madagascar aller izay nifandonan'ny équipe ni Sebamboeny sy ny équipe ni Gendarme Basket Club avy ny vakinakaratra. Ni lalao fitsapana faharoa nataon'ny équipe pirenena Malagasy latsaky ny 18 taona nataon'ny tany Mahajanga nifandonany tamin'ny équipe ni Kosfa. Ary ny famaranana teo amin'ny tournoi Agape ny oaraintsika androany ny famaranana teo amin'ny sokajy U16 garçon. Andoantsika azy ny famaranana teo amin'ny championnat de manga NEA tany Majunga. Oaraintsika voalohany aloha ny famaranana teo amin'ny championnat de Madagascar sokajy NEA. Allez, izay nifandonan'ny équipe-n'ny Gendarme Basket Club sy ny équipe-n'ny Sebamboeny vita moa tamin'ny alahady heriny tao amin'ny kianja mitafin'ny Mahajanga. Lalao izay efa nandehany moa ity tany amin'ny lalao fifanitsanana na ny eliminatoira ary nandresen'ny équipe-n'ny Sebamboeny mazava tamin'izany lalao izany 6-70 no 7-70. Tsy dia betsaka loatra ny nanantena an'ity famaranana ity na hoe nanapo azy satria dia betsaka ny eritreritra fa fifandonana eo amin'ireo goavana anankiroa dia ny équipe-n'ny Ascut Atsinanana sy ny équipe-n'ny Sebamboeny no atao. Tsy izay anefa nizavanyseho fa nampisehoany équipe-n'ny Gendarme ny traiky efan'izy ireo teo amin'ny lalao manasa-dalana izay nifandonan'izy ireo tamin'ny équipe-n'ny Ascut ka nandresen'izy ireo tamin'ny isa mazava 6-70 no 20. Teo amin'ny famaranana zany dia ny andaniny sy ny ankilany ny Gendarme Basket Club manao fotsy sy ny équipe-n'ny Sebamboeny no nifandona tamin'izany. Be ary ny eritreritra fa dia ho revanche zany ity lalao ity ho an'ny équipe-n'ny Gendarme saingy tsy izay no zavanyseho fa dia nanjaka ny équipe-n'ny Sebamboeny matanteraka izany lalao izany. Nanjaka tany amin'ny extérieur aloha ry Adore ry Thierry Serdonge hita tsy tena ovoka firy tamin'izany lalao izany ry Brechara sy ry Richard extérieur izay anisany navita baolina be nanolonany Ascut Atsinanana. Ary dia tao ambany ihany koa dia nanjaka ny big free an'ity équipe-n'ny Sebamboeny ity de Izayady i Davi ary i Ibrahim lojika ny isa farany raha izany tamin'ity lalao ity 70 ho andry zareo Sebamboeny ary 15 kosa ho an'ny équipe-n'ny Gendarme Basket Club. Mazava ho azy tsy dia izay loatra ny tena tanjona ho an'ny akamaroan'ireo ekipa izay tonga tany fa dia ny anatsarana ny bilan alohan'ny retour izay atao eto Antananarivo amin'ny volana oktobra ho avy izao saingy efa zava-dehibe ho an'ity équipe-n'ny Sebamboeny ity aloha izao fandresena izao. Betsaka nefa ny eritreritra ihany koa fa dia ny Ascut Atsinanana no andrombaka an'izany amboara izany. Mbola tsy nety aloha izy teto saingy raha ny lalao tany amin'ny fifanitsanana no resahana dia nanjaka n'ity équipe-n'ny Ascut Atsinanana ity tanteraka ny fifaninanana saingy raha ny fahitana azy aloha dia ohatrany hoe mety fananiana ihany angamba na tonga nyilay faharesena satria efa azo ny tanjona ny iriny tany Mahajanga tany dia ny ho voalohany amin'ny fifaninanana. Mifaly nefa zany aloha ny équipe-n'ny Sebamboeny izay efa nomotsany ny équipe-n'ny Ascut Atsinanana moa tamin'ny lalao faharoa izay nionan'izy ireo fandresena mazava 6-70 tamin'izay fotoana izay ary tsy nahovoka mihitsy moa ny équipe-n'ny Sebamboeny tamin'izay lalao izay. Amin'ny retour zany ho hitantsika eo raha ifandona indray ireto équipe anankiroa ireto ary ho hita io ihany koa hoe iza ny tena enjany. Teo amin'ny fanolorana andreo maroboninahitra sy amboara isan-karazany moa fa efatra ny équipe-n'ny GCSA tamin'n'ity fifananana ity fa telo kosa ny équipe-n'ny Fandrefiala. Nanao famaranana ny équipe-n'ny MB12 lavi n'ity équipe-n'ny Sebamboeny ity teo amin'ny famaranana tamin'nyisa 6-70 no 20. Sebamboeny izany nalana vavy no nandrombaka ny amboara tany. Misy ihany koa moa ny baolina vaovao balle de match nomeny Fédération Malagasy ny basketball ho an'ny ligue ny Boeny. Ascut fa efatra zany tamin'ity fifaninanana ity fa telo kosa ny équipe-n'ny Kosfa. Nanao famaranana moa zany ny équipe-n'ny Gendarme Basket Club ary ny nandrombaka ny amboara tamin'ny championnat alena ny tournoi de Baobab dia tsy iza fa ny équipe-n'ny Sebamboeny. Paodro be any amin'ny retour ndray zany vao hifankahita ireto équipa ireto. Arahantsika manaraka indray ara ny fanomana tena izay nataon'ny équipa pirenena U18 izay natao tany Majunga. Anisan'ny événement goavana ihany koa tany Mahajanga tany
Ny lalao izay nataony ekipa pirenena malagasy efa narahantsika tamin'ny herinany moa, ny lalao izay nataon'izy ireo nanolonany ekipa ny sélection any Boeny izay nandresen'izy ireo mazava 6.5 no telo ambelopolo ary ny apitson'io zany hoe ny famaranana izay efa hitantsika eto ihany dia nifandona tamin'ny demi-finalista anankiray izy ireo dia ny ekipa ny Kosfa. Lalao izay mbola nampisehony ity ekipa ny U18 ity fa tsy matahoran'izany izy izy ireo indrindra moa faripao izay tsy natahotra mihitsy tamin'izany lalao izany. Azy vita kosa dia hita nahazo aina i Jerry izay nampiseho ny fahaiza manaony amin'ny resaka fixation tamin'ity lalao ity. Jerry moa izay volana vitsy monja ny tsy nahalany azy tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy. Anisan'ny bonne nouvelle ihany koa ny performance izay nasehoany Kevin ary tsy lazaina intsony ny fahaiza manaony Livio any amin'ny tivodavitra. Vaovaogoavana ihany koa tamin'ny ity lalao ity ny teo amin'ny fahaiza manaony Didz izay tsy tanany ekipa ny Kosfa mihitsy. Na izany azy niatanteraka ny lalao ary Kosfa mazava ho azy anisany anarezina indrindra eto Madagasikara dia nampiseho fa manana ny toerany ihany koa. Namaly anefa ny boakely ary nisy an'ity position farany ity ho an'ny malagasy zay lesy demi-fane tsy matin'ny paolo teo amin'ny voalohany ary efa tarabe ny klakety faharoa izay maty ny ekipa pirenena malagasy saingy tsy naomby. 8.5 no 7.5 izany resy ny ekipa pirenena malagasy saingy resy ambolonahitra kosa ary mahavelombolo sahady amin'ny zavatra mety ho ataon'izy ireo amin'ny afko basket satria nanisokajy ana azy dia miroa avokoa rehefa hifandona amin'ny reto boakely reto. Mazava ho azy mbola be ny tokony amboariny saingy miakatra ny fanampy sy mitanjona amin'izao fotoana izao hoe tena tokony ho tonga any amin'ny famaranana ity ekipa ity. Anozantsika azy kosa ny famaranana teo amin'ny tournoi agape. Ny farana ny alady lasa teo kosa ny fifaninanana agape izay ny interquartier moa no tena nobanjina tamin'izany tetsy amin'ny lapany fanatanjahantena. Ny famaranana teo amin'ny sokajy U16 garçon dia ny fifandonana teo amin'ny ekipany 67 hectare manao mainty sy ny ekipany FFI alarobi manao mena. Lalao izay avy hatrany dia nanjaka ny ekipany 67 aloha. Nasesin'izy ireo ny valim-panafiana ary hita roboka mihitsy nanoloana an'izany ny ekipana alarobi. Tsy ela nefa dia tonga amin'izay ny valikavatra avy any amin'ny mena. Niezaky nyo agresivy izy ireo ary dia nahita mpambiazana izany. Niverina tsy moramora tao anatin'ny lalao amin'izay ny FFI ary nanomboka nitarika amin'izay. Tsy nijery fotsiny koa nefa ny ekipa ny 67 hectare niezaky nyo agresif hatrany ary nahita fambiazana. Agresivité nefa samy manana ny amafy any koa ny defensan'ny FFI. Miatanteraka ny lalao ary sarotra ny jerena hoe izy no mety ho tafita amin'n'ity lalao ity. Mafy dia mafy tokoa ny defense an'ity ekipa ny 67 hectare ity. Mazava ho azy rehefa mafy toy izay moa ny defense dia mahazo aina ho azy any amin'ny fanafiana ary mahita vahaolana foana. Teo dia ohatra ny tsapana zavazava hoe ho tafita ny ekipa ny 67 hectare saingy nandeha amin'izay ny crossover ho an'ny FFI tao anatin'ny ray mpimaso dia nitarika indray izy ireo. Enjana ny farany lalao saingy nitsapa aloha dia FFI no hita mazotozoto kokoa ary nanomboka nitarika tamin'ny isa betsabetsaka zany hoe teo amin'ny isa enina teo. Notohizana izy ireo hatrany izany raidy izany ary nahita mpambiazana foana. Nanosika farany ny ekipany 67 hectare saingy tsy amby izany. Nandre zany ny ekipany FFI 5.5 no 5.5 izy ireo no nandrombaka ny amboara. Atrandray ara ny fiarahantsika androany, ny tena kosa mametraka ny mandra-piona anareo, ny basket kosa mbola tsy vita fa anaraka ny afro basket tsika. Salut à tous, 58e numéro de votre magazine préféré Afrobasket. On revient tout de suite après le sommaire.
Un an après avoir organisé l'Afrobasket à Abidjan, que devient le basketball ivoirien? Diagnostic à travers le championnat. Deux stades flambant neufs, tel est l'héritage qu'a légué l'Afrobasket Abidjan 2013 au basketball ivoirien. On se rappelle que jusque-là, le championnat se déroulait en plein air au lycée classique et moderne de Trècheville. Avec ses infrastructures, la Fédération ivoirienne de basket a un réel défi à relever. Donc, l'Afrobasket nous a permis d'avoir des salles. L'Afrobasket nous a permis aussi d'avoir, en termes d'expertise d'événements, de gestion des événements, mais qui nous ont pas encore mis évidemment en œuvre dans ce qu'on nous tendons. Parce que tout ça, ça passe d'une éducation, ça passe d'une discipline. Au début, c'était dur, mais ils ne sont pas venus. On dit pratiquement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous comprenez que ça, c'est déjà un acte de l'air. Et tout cela, c'est la fois parce qu'on nous a permis de pouvoir suivre ce rythme-là. Et c'est ce que nous tentons de faire. Ah, faut parce qu'on a un lourd héritage qui est dur à assumer. Mais avec le temps, nous arriverons. Un véritable calendrier établi par la Fédération ivoirienne de basketball, dont le seul objectif est la pratique de la balle orange. Mais il semble du côté de la fédération qu'on veuille aller trop vite. Écoutez la programmation. On dit, après les préliminaires, on prend les 6 premiers de la poule A, qui sont déjà qualifiés pour le top 10. Maintenant, il va falloir chercher les 4 autres places. Les 4 autres places seront disputées entre les 6 derniers de la poule A et les 10 premiers de la fusion B et C. C'est-à-dire que 6 plus 10, ça fait 16 équipes. Ils vont faire 8e de finale en leur retour. Il va y avoir un vainqueur, il va y avoir des vainqueurs, il va y avoir des perdants. Les vainqueurs, ils seront encore dans la course pour obtenir les quatre places à acquérir pour trouver les 6. Les perdants, les 8e de finale, et ils vont faire le classement. Parce que tout compte fait, nous, à la fin de la saison, il nous faut faire un classement pour savoir qui occupe quel rang. Maintenant, il y a une chance en deuxième phase. Si on joue les playoffs, on prendra sur les 10, les 8 premiers. Comme on a les 8 premiers, c'est ceux qui ont joué la finale des 21 et des 8 de finale, c'est-à-dire les 2, plus les 6 premiers qui vont jouer, les playoffs. Avez-vous compris? C'est à quoi nous sommes actuellement là. Compris, pas compris. Il doit comprendre que chacun doit faire en sorte pour espérer être dans le top 10. Et ceux qui suivront, c'est la N1. Ceux qui suivront après, c'est la N2. Vous voyez. Ça, je crois que même s'ils ont du mal à la santé, mais ils sont déjà mis en compétition, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, on ne sait même pas comprendre. C'est plutôt chercher à espérer être dans le top 10. Finalement, nous avons compris que après les préliminaires, 10 équipes seront retenues pour le top 10 devant jouer en 2015 la Ligue professionnelle. 10 autres constitueront la N1 et le reste la N2. Toutefois, à l'issue des deux premières phases, ABC, JCI et Azure mènent le championnat. Après le pick and roll, place pour notre initiation aux différentes formes d'attaque. Allez, c'est parti. Vous après, c'est vous qui prenez la place ici. Hein? Pour le moment, on fait juste le plus simple. C'est du 1 contre 1. Il n'y a pas d'aide, donc il va être obligé de tirer. Okay? Il est tout seul, il va être obligé de tirer. Donc là, c'est juste un rapport de force entre lui et lui. Si lui, il est meilleur, il va marquer. Si lui, il est meilleur, il ne va pas marquer. Ballon, va le chercher, demande-le. Allez, il faut l'attaquer. Allez, et rebond encore. Très bien. C'est important, meneur de jeu, va pas, le ballon, tu vas le récupérer ici, plein milieu, comme ça je vais pas récupérer le ballon. Le meneur de jeu, tu récupères le ballon là, la plupart du temps, tu seras ici, là, et ok, et là, tu vas pouvoir jouer à droite, à gauche, où tu veux. Allez, changez, toujours, vous êtes 13. Allez, agressif, ok, bonne défense, allez, agressif, ok, c'est bien l'attaque, c'est bien la défense. Panier, vous faites remise en jeu et les deux rouges, vous attaquez ici, s'il n'y a pas panier, là, il faut impérativement marquer les deux rouges. Ok, on va là et on vient là. S'il y a panier, il y a remise en jeu. S'il n'y a pas panier, battez-vous, revenez marquer le panier ici. Normalement, les blancs, vous devez toujours marquer.
2 contre 1, vous démarquez. Attention, il faut aller vite parce que lui, il revient derrière. Hein. Sur lui, hein, il ne peut pas revenir ce joueur-là, c'est pas possible. Ok, vous ne devez pas perdre l'avantage, il faut courir. Allez, il faut courir. Allez, 2, bien. Allez, 2 contre 1. Perdu l'avantage encore. Regarde, on replie maintenant. Allez, il faut le mettre, allez. Bien, les blancs. Hop, 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 hop. Allez, il est loin. Allez, il est loin. Bien joué. Bien joué, les rouges. Empêchez de marquer, les rouges. Oh là là, oh là là. Contrôlez sans faire de faute, sans faire de faute. Sans faire de faute, vous êtes 3. Jouez, il a 2 pivots qui sont un peu en bas. Ok, pensez bien, vous, impérativement, vous avez un gros rôle. S'il y a 2 en bas, s'il rentre un peu ce qui se passe là, voilà, il faut absolument revenir derrière lui. Ok. Et toi, s'il rentre un peu là, il faut revenir un peu derrière lui pour être prêt à rejouer. Et tous les deux, bah, restez un peu en bas et puis vous voyez ce qui se passe. Vous restez dans le secteur. Ça joue. Vous perdez d'un point, les blancs. Ça joue, les blancs. Ça joue, les blancs. Vous perdez 3 points, les blancs. Jouez. Jouez, les blancs. Jouez. 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 Jouez là. Vous perdez 3 points. Jouez. Laisse le chrono. Jouez. Défense, les rouges. Vous gagnez 3 points, les rouges. Vous gagnez 3 points. Ok. 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 Ok, 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 voilà. Match nul. Je vous propose à présent de découvrir tout ce qui a constitué, et cela en bref, l'actualité du basketball africain. Après sa victoire sur le Primeiro d'Agosto 78-77, le Recreativo de Libolo s'est offert le titre de champion senior masculin d'Angola. À 2 matchs de la fin du Final Four, le Libolo est d'ores et déjà champion avec 19 points, tandis que le Primeiro d'Agosto est second avec 16 points. Même si le Libolo perd ses 2 derniers matchs, il sera toujours en tête avec 21 points, un score qu'aucune des 3 autres équipes participant à ce championnat ne peut atteindre. L'équipe senior féminine du Primeiro d'Agosto a remporté en mai dernier à Luanda le championnat national angolais grâce à sa victoire sur Interclub 68-47. Interclub était le détenteur du trophée. Les 2 clubs représenteront l'Angola aux éliminatoires des clubs champions 2014 de la zone. Le club africain a remporté le championnat de Tunisie de basketball 2013-2014 après avoir battu l'Étoile sportive du Sahel sur le score de 73-63, mi-temps 31-27. Lors du match d'appui de la finale disputé le 24 mai 2014 à la salle de Sousse. Le club africain remporte ainsi le 2e titre de son histoire, en détrônant l'Étoile sportive du Sahel, triple détenteur du trophée. On connaît le représentant du Burundi dans les prochaines compétitions internationales. C'est le Urunani Basketball Club. Urunani a remporté son dernier match face à New Star sur un score de 50-45. Cette saison, Urunani a tout raflé sur son passage. La Coupe du Championnat National, la Coupe du Championnat du Bujumbura, la compétition internationale de la zone 5 et la Coupe des Playoffs. Formé en Seine-et-Marne et plus précisément à Coulommiers et après avoir joué en France, à Chypre et en Italie, Mike Mukongo vient d'être sacré champion de France de NM1, l'équivalent de la 3e division. Qui est ce garçon, ce centrafricain qui répond toujours à l'appel des fauves? On regarde. Ne pleuvoir service
Cheimba, Alexis, Christophe, Papa José Mouita, la famille de Moukouamas. Mais sinon, j'ai commencé le basketball à l'âge de 7 ans dans mon pays d'origine, en Centrafrique. Quand mon papa était parti au jeu 92 à Barcelone, et il avait instauré un panier de basketball à la maison. Et puis bon, c'est là que j'ai commencé. Et puis après, je suis venu en France et j'ai continué mes gammes ici jusqu'à devenir professionnel. J'étais arrivé très très jeune. Ensuite, j'ai intégré ce qu'on appelle l'INSEP en France, c'est-à-dire là où il y avait tous les meilleurs jeunes joueurs français. Ensuite, je suis sorti de l'INSEP pour intégrer un centre de formation Chalon-sur-Saône. Et tout de suite, ils ont repéré mes talents. Et le président de mon club Chalon-sur-Saône, M. Dominique Viau, a décidé que je puisse avoir la nationalité française. Donc il a accéléré mes papiers et ça a permis à ce que je puisse avoir ma nationalité. Et ensuite, j'ai pu intégrer l'équipe de France junior, cadet et espoir. Bon, il faut dire aussi que l'arrivée de Tony Parker n'a pas aussi facilité les choses dans un premier temps. Et aussi, il y a eu une pression aussi familiale par rapport à mon pays, en sachant que j'ai commencé chez moi. Et mes parents ont toujours voulu que je puisse jouer un jour pour l'équipe centrafricaine. Donc bon, tout ça a fait que j'ai voulu opter pour venir jouer pour mon pays, en sachant que si j'aurais joué pour la France, ça n'aurait pas été le même temps de jeu, ça n'aurait pas été la même chose. Et puis c'est toujours bien, je crois, de représenter son pays d'origine. Au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette décision, c'est une bonne décision et je suis content d'être là. La Coupe d'Afrique, c'est devenu une compétition très très relevée au niveau international. Donc les joueurs ont besoin de se préparer plus tôt, ils ont besoin d'être ensemble. Et la fédération a toujours du mal à revenir les joueurs le plus tôt possible et de mettre en place un système, un entraîneur qui puisse travailler avec les joueurs, qui puisse les faire avancer. Et ça n'a jamais été fait. Donc quand on voit un joueur comme Romain Sato qui a joué dans un niveau en Euroleague, qui au jour d'aujourd'hui n'est pas en équipe nationale, c'est quand même décevant pour nous. Et donc voilà, je crois que c'est important de pouvoir savoir dans quelle politique on veut aller et comment on veut faire avancer notre sport de l'avant. Et donc voilà, tous les acteurs, c'est-à-dire l'État, la Fédération Centrafricaine de Basketball, même les joueurs eux-mêmes, ont une tâche par rapport à ça. Donc chacun doit se regarder dans son miroir par rapport à ce qu'il doit faire pour essayer d'avancer le basketball centrafricain. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que depuis très jeune, mon rêve, c'était d'essayer d'aller en NBA. Donc j'ai toujours essayé de me battre pour essayer dans ce continent-là. Mais bon, Dieu a fait que ça n'a pas été, mais c'est vrai que j'ai quand même joué dans des très très bons championnats en France, notamment en Turquie, en Espagne aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai plus envie de me stabiliser dans ma vie, parce que bon, je vieillis aussi, j'ai 27 ans au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai envie de me stabiliser dans un pays sûr, en sachant que la situation économique n'est pas aussi facile dans les autres pays. Donc voilà, j'ai à cœur de rester en France. Et tout le monde se rappelle de la génération Lavaudrama, la génération de Goporo, qui ont gagné la dernière CAN en 1987. Vous savez, en matière de sport, il n'y a pas de secret. Donc au jour d'aujourd'hui, la Centrafrique a beaucoup chuté au niveau de la structure, c'est-à-dire du pays, par rapport aux infrastructures. J'ai très envie de pouvoir redonner au basketball centrafricain ce qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire tous mes entraîneurs qui m'ont formé depuis tout petit, et d'essayer de rentrer chez moi, de faire des camps, d'essayer d'avoir un projet de structure, de créer des structures pour pouvoir aider le basketball centrafricain à avancer, et d'avoir des petits camps où je peux ramener des amis à moi, notamment qui jouent en NBA, des amis qui jouent en Europe, pour essayer de faire révéler les jeunes centrafricains afin qu'ils puissent voir des grands joueurs, et parce qu'on a vraiment besoin de ça chez nous. Voilà, c'en est fini pour ce 58e numéro. On se retrouve pour le 59e. Allez, portez-vous bien.